Shalom, aujourd'hui je m'adresse à une âme vraiment disposée pour lui dire simplement, ne crains point. Vous savez, il y a 33 fois que la Bible répète cette petite phrase, ne crains point. Et dans la plupart des cas, quand Dieu s'adresse pour la première fois à ses serviteurs, parmi les premières phrases qu'il prononce souvent, il dit, ne crains point. À Abraham, il a dit, ne crains point. À Moïse, il a dit, ne crains point. À Josué, il a dit, ne crains point. À Gédéon, il a dit, ne crains point. Dans cet âge, il a dit, ne crains point. Mais pourquoi Dieu nous dit de ne pas craindre? Pourquoi il dit, ne crains point, ne t'effraie point? Parce que la peur est la plus grande malédiction qui frappe l'Église aujourd'hui. Alors, je ne veux pas que tu sois frappé également par cette malédiction. Ne crains point, l'Éternel est avec toi. Shalom. Accorde-moi juste une minute. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Miracle Béni TV.